À première vue, on pourrait dire que c'est une batterie au plomb ou au gel, par exemple, mais il n'en est rien. C'est le même gabarit qu'une batterie au plomb, mais de technologie totalement différente, puisque c'est une batterie LFP, lithium fer phosphate. Et ce genre de batterie peut remplacer facilement donc les batteries au plomb. La batterie est fournie avec ses pôles de connexion plus et moins, donc avec un système de vis qui permet de fixer l'écosse. Nous avons le manuel d'utilisateur qui regroupe toutes les caractéristiques de cette batterie. Alors là, il s'agit de la plus grosse batterie de chez Tace Power, qui en 12 volts, hein, qui fait 400 ampères-heure. Donc on est légèrement au-dessus des 5 kWh pour cette grosse batterie qui va remplacer les batteries au plomb. Donc dans ce manuel, vous avez tout un tas d'informations concernant la batterie, avec notamment l'application qui va gérer en Bluetooth notre batterie, les tensions de charge, les tensions de décharge, etc. Le nombre de cycles qu'on pourrait réaliser avec cette batterie. Intéressant également, nous avons le petit coupon de test par lequel cette batterie a été testée avant l'expédition. Est totalement conforme à ses caractéristiques. Donc pour vous présenter cette batterie, donc c'est une batterie de chez Tace Power au LFP qui mesure 52 cm de longueur sur quasiment 27 cm de profondeur quand même, hein, c'est un beau bébé. Et en hauteur, on est sur 22 cm de haut. Donc c'est déjà l'équivalent d'une batterie plomb, mais déjà d'une bonne capacité parce que c'est quand même des belles dimensions. Et un poids donc qui avoisine les 40 kg quand même. On est sur une batterie qui remplace nos batteries au plomb, donc on est sur une tension de 12 volts pour cette batterie, et plus précisément 12,8 volts de tension nominale. Cette batterie fait donc 400 ampères-heure, donc c'est la plus grosse batterie en 12 volts qui existe sur le marché actuellement, donc ce qui représente 5120 watts de capacité précisément. Une des principales nouveautés dans cette batterie de 12 volts, eh bien, c'est la carte BMS qu'il y a à l'intérieur. C'est une DALI, carte BMS DALI, avec sa carte d'équilibre actif. Donc ça, c'est quand même assez nouveau dans ce genre de batterie. Quand les cellules sont neuves, on n'a pas forcément besoin d'équilibreur actif, puisque quand on utilise des cellules de qualité, on reste vraiment très bien équilibré au niveau des cellules en interne. Par contre, dès qu'on commence à utiliser cette batterie, qu'on commence à avoir un certain nombre de cycles, c'est plutôt intéressant d'avoir une carte d'équilibre actif pour pouvoir rectifier les tensions au niveau interne de cette batterie. Puisque lorsqu'on utilise une batterie de ce type, eh bien, elle est composée de plusieurs cellules et les cellules ne vont pas s'user à la même vitesse, à la même rapidité, et il y avoir au fur et à mesure du temps un déséquilibre au niveau des cellules. Donc globalement, on va avoir des différences de capacité entre les cellules qui va engendrer évidemment une différence de tension. Donc la carte d'équilibre active est là pour rectifier en fin de charge ou en début de charge, hein, peu importe, puisque on va le voir, mais cette carte d'équilibre active va s'activer uniquement lorsqu'il va y avoir une certaine tension d'écart entre les cellules. Donc ça veut dire que si nos cellules sont neuves et qu'elles sont totalement bien équilibrées, eh bien la carte d'équilibre active ne va pas s'activer et ne consommera évidemment pas d'électricité. Elle ne s'activera uniquement que lorsqu'il y a vraiment besoin, donc lorsqu'on va commencer à avoir par exemple 5 millivolts de différence de tension entre les cellules. Donc ça c'est plutôt intéressant, on n'a pas à se soucier d'activer ou désactiver la carte d'équilibre actif. Pour moi, elle fait son travail lorsqu'il y a besoin, donc dès qu'on commence à avoir un écart de tension entre les cellules, c'est toujours intéressant d'apporter une petite rectification avant qu'il y ait un écart trop important. La carte BMS qui est fournie avec cette batterie peut fournir jusqu'à 250 ampères en nominal, donc c'est quand même important. C'est-à-dire que cette batterie seule peut fournir 3200 watts de puissance en sortie. Donc sur une seule batterie, ce qui est quand même pas mal. Et pendant quelques secondes, peut fournir 500 ampères, donc ça veut dire 6400 watts en crête. Au niveau de l'équilibreur actif, eh bien, on est dans la même marque. La carte BMS, c'est une DALI. Et l'équilibreur actif qui est associé, c'est également un équilibreur actif de chez DALI. La carte d'équilibre actif qui est fournie avec fait 1 ampère, donc ce qui est à mon avis suffisant pour un montage de ce type, pour une batterie 12 volts. On n'est pas sur des batteries 48 volts où on a 16 cellules, donc 4 cellules à équilibrer dans ce genre de boîtier avec 1 ampère me paraît largement suffisant. Donc comme toutes les technologies lithium fer phosphate, cette batterie ne peut pas être chargée en dessous de 0 degré. La plage de température pour charger cette batterie va de 0 à 50 degrés et elle peut être utilisée donc en décharge de moins 20 jusqu'à 60 degrés, donc ce qui laisse quand même une grande plage d'utilisation au niveau des charges.
Une caractéristique hyper intéressante avec cette nouvelle batterie 12 volts, c'est l'auto-chauffage de l'intérieur de la batterie qui va se mettre en route dès qu'on va atteindre 0 degré par exemple et va se couper à 10 degrés. Donc ça veut dire que si on veut, on souhaite charger cette batterie alors qu'il fait moins 20 degrés dehors, eh bien la charge ne va pas démarrer tant que la batterie n'est pas au-dessus de 0 degré. La protection de charge liée à la température est paramétrable dans la carte BMS. Évidemment, on peut la modifier, mais par défaut, ne chargez pas en dessous de 0 degré. Et notre système d'auto-chauffage, en fait, va se mettre en route dès qu'on va être en dessous de 0 degré et ça va nous permettre de charger notre batterie, même s'il fait moins 20 degrés dehors. Donc ça, c'est quand même une très belle nouveauté. Le système de chauffage donc, qui est intégré dans cette batterie est alimenté par la charge. Donc la charge externe, donc, elle ne va pas aller puiser dans nos cellules pour utiliser le chauffage en interne. Elle va utiliser l'électricité qui arrive à nos pôles. Donc comme c'est important d'être au-dessus de 0 degré lorsqu'on en charge une batterie, eh bien une petite partie de l'électricité qui va venir charger notre batterie va chauffer notre caisson pour maintenir une température entre 0 et 10 degrés dans l'intérieur de ce boîtier. Avant, avec l'ancienne technologie, si on n'a pas de système d'auto-chauffage, notre batterie elle ne charge pas tout simplement en dessous de 0 degré. Donc lorsque je l'ai reçu, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des trous et des petits caches au-dessus du couvercle et on va pouvoir démonter cette batterie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir comment a été assemblée cette batterie. Alors je vais chercher un tournevis et je reviens. Donc voilà, nous avons ouvert la bête et on va pouvoir regarder un petit peu comment est goupillée notre batterie en interne. Donc là on reconnaît la carte d'Ali. Carte BMS qui fait 250 ampères. Alors, il n'y a pas de refroidisseur dessus, il y a un beau radiateur. J'ai déjà utilisé ce genre de carte BMS, c'est vraiment de la bonne qualité. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Bon, globalement, l'assemblage est plutôt correct, voilà. Mais pas forcément très soigné, c'est pas hyper bien fini. Au niveau de la section de câble en sortie, on est sur du 2AWG, donc ce qui correspond à du 35 mm. Donc là, on est hyper large, hein, on est parfait au niveau section de câble. Là, on n'a aucun souci à avoir. Sur le côté de la boîte, on a le petit transmetteur Bluetooth qui est fixé à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt bien, puisqu'on le sait, en Bluetooth, dès que l'émetteur est à l'intérieur, on peut avoir des petites difficultés à recevoir le signal. Et c'est pas toujours évident d'avoir un bon signal lorsque l'émetteur est à l'intérieur. Et puis on voit ici l'équilibreur actif d'1 ampère d'Ali. Et on remarquera qu'il dispose d'un port RS485 et UART. Donc c'est là actuellement ils ne sont pas utilisés, mais ces ports-là peuvent être déportés sur le caisson pour avoir des ports externes. Alors ce qui peut être pas mal, puisque si vous souhaitez brancher cette batterie sur un onduleur qui accepte le RS485, eh bien, il vous suffira de venir brancher sur ce petit connecteur, un RJ45, et vous connectez directement à votre onduleur. Donc ça c'est bien. Certaines versions de cette batterie disposent de connecteurs directement insérés en façade sur la caisse pour pouvoir brancher directement à des onduleurs. Donc certaines versions de cette batterie existent avec les ports CAN, RS232 et RS485. Donc c'est vraiment très complet pour pouvoir connecter à un onduleur. Alors les plaques de chauffe sont évidemment au fond de la boîte, et sont totalement indépendantes de la carte BMS ou de l'équilibreur actif. Donc il y a des sondes de température qui détectent la température en interne dans la boîte et qui déclenche ces plaques chauffantes en utilisant l'électricité entrante, hein, l'électricité de charge de la batterie. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, si on s'approche un petit peu de la batterie, on voit que les cellules sont couchées, en fait. Elles sont couchées, et elles sont groupées par deux. Alors, l'assemblage, c'est du 4S2P. Donc, on a deux cellules en parallèle. Donc, ce sont des cellules de 200 ampères une chacune. Qui sont montés en parallèle, donc ça fait 400 ampères. Et on a 4 blocs comme ça en parallèle qui permet d'obtenir nos 400 ampères-heure en 12 volts. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, les plaques de connexion sont soudées directement sur les cellules.
Donc, ce qui peut, ce qui assure une connectivité parfaite, puisque là, on n'a pas d'écrou. Là, il n'y a absolument aucun problème de contact. Seul, eh bien, les gros câbles de la carte BMS sont vissés sur les pôles généraux de la batterie. Donc là, on aperçoit la petite vis de connexion. Donc sur le pôle moins et le pôle plus, mais sinon, tout le reste est soudé. Donc au niveau de l'assemblage, là, on n'a absolument aucun risque de dévissage, hein, entre autres. Alors par ailleurs, concernant l'assemblage, on voit nos plaques époxy, on reconnaît les plaques époxy qui entourent nos cellules, en fait, tout simplement. Toutes nos cellules sont protégées avec des plaques époxy, donc sur les quatre côtés. Donc pour éviter évidemment les courts-circuits et pour bien isoler nos cellules entre elles avec nos plaques époxy. Et on remarquera également eh bien ici qu'on a de la mousse tout autour de la batterie avec des plaques époxy hyper épaisses qui nous permettent, on le voit, d'assurer une compression minimale. Bon, alors au niveau de la compression, on ne sait pas trop comment c'est compressé. Je ne pense pas que la compression soit fortement appliquée. Mais on a une compression minimale qui permet quand même d'assurer une durée de vie correcte des cellules. Donc ça, c'est plutôt bien. Les cellules sont extrêmement bien fixées, ça ne bouge pas dans le boîtier. Il y a quand même une petite compression. Mais on comprendra que la compression n'est pas maximale puisque le boîtier est en plastique, hein, donc absolument pas en acier. Donc on ne peut pas exercer une forte compression. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour dans l'application Bluetooth de la batterie pour voir un petit peu les caractéristiques qui sont mentionnées dans cette batterie. Donc là, on arrive sur l'application Smart BMS. Donc pour ceux qui sont habitués aux cartes BMS d'Ali, c'est l'application qui va avec cette carte, hein, tout simplement. Cette batterie peut être montée en série. Donc ça, c'est quand même très intéressant puisque toutes les cartes BMS ne permettent pas ce genre de montage. Souvent, les cartes BMS acceptent la mise en parallèle, mais pas la mise en série. Donc ça, c'est plutôt bien. On peut connecter jusqu'à 4 batteries de ce type en série pour pouvoir monter et faire un stockage en 48 volts. Donc avec 4 batteries comme ça, vous pouvez vous faire un stockage de plus de 20 kWh avec un encombrement vraiment réduit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on n'a qu'une seule carte BMS active, donc on n'a qu'une seule batterie. Donc là, on arrive dans le menu général de notre batterie. Sur la première page de présentation, eh bien, on a le SOC, le State of Charge, donc l'état de charge de notre batterie. Donc actuellement, elle est à 67,8% et la tension à ses bornes est de 13,3 volts. On voit qu'elle ne décharge rien, elle ne charge rien, et en gros, on dispose encore de 271 ampères-heure de capacité. Donc ensuite, on a des informations liées à la tension des cellules en interne, avec le mini et le maxi des tensions. Là, on remarque qu'on a une différence de tension entre les cellules de seulement 1 millivolt, donc on est proche de la perfection, hein, 1 millivolt, avec 8 cellules, hein, on est vraiment parfait. On voit qu'on est au deuxième cycle. Donc, ces batteries sont testées, équilibrées et mises en route avant l'expédition. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une charge complète, une décharge complète. Lorsque vous recevez cette batterie, elle est prête à l'emploi. Donc, ça, c'est quand même bien. Lorsqu'on ne sait pas comment faire et qu'on cherche la simplicité, c'est parfait parce qu'on a juste à installer notre batterie et de l'utiliser directement. Donc, ça, c'est bien. Et on a les deux sondes de température qui nous indiquent la température de la batterie, donc actuellement à 15 degrés, et la température sur la carte BMS de 10 degrés. Dans la partie équilibrage actif, eh bien là on a tout un tas d'informations qui nous indiquent si la balance est en train de se faire ou pas. Actuellement le statut est off puisque nos cellules sont extrêmement bien équilibrées. Donc là, on n'a absolument pas besoin d'utiliser l'équilibreur actif. Donc globalement, lorsque nos cellules sont neuves, hein, globalement, et qu'elles disposent de la même capacité, eh bien l'équilibreur actif ne servira quasiment pas au début, puisque c'est normal, hein, lorsque les cellules sont neuves, elles ont quasiment la même capacité. Mais lorsque les cellules vont commencer à vieillir, eh bien l'écart va se creuser, l'écart de capacité va se creuser entre nos cellules, et là l'équilibreur actif va commencer à devenir intéressant. Donc, c'est bien d'anticiper l'avenir et de prolonger la durée de vie de notre batterie avec un petit équilibreur actif qui va vraiment bien faire le travail.
L'équilibreur actif se mettra en route uniquement à partir de 3,2 V. Voilà, vous pouvez le laisser par défaut, hein, ce n'est pas un problème. Concernant les paramètres liés à la carte BMS et donc notamment la protection. Donc là, par défaut, la batterie protège les cellules jusqu'à donc à partir de 3,6 V de tension maxi. Donc on garde un petit delta de sécurité. On sait que le LFP supporte maxi 3,65 V. Là, on a installé la protection à 3,6 V. Donc on se garde une petite marge de sécurité. Et la tension basse de chaque cellule est à 2,90 V. Sachant qu'on peut descendre au minimum à 2,5 V. Mais on le sait, entre 2,5 V et 2,9 V, on n'a quasiment rien au niveau capacité. Donc ça ne donne rien de descendre trop bas. On a une protection globale au niveau de la tension de sortie de notre batterie, donc là qui est à 14,40 V. Si jamais notre batterie dépasse les 14,40 V, eh bien la charge se coupera automatiquement. Et ensuite, sur les différentes pages, on a différentes pages de configuration. Là, en l'occurrence, on est sur un type de batterie LFP, lithium fer phosphate, avec une capacité de 400 ampères-heure. Donc voilà, parfait. Par défaut, la différence de tension entre les cellules est réglée à 50 millivolts. Moi, ce qui me paraît quand même assez élevé, puisque 50 millivolts, je trouve, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, dans un premier temps, on peut déjà voir ce que ça donne en laissant ce genre de configuration. Ensuite, au niveau des protections, au niveau température, on a toute une page de configuration. Donc là, en l'occurrence, sur cette page, la température de charge maxi est à 50 degrés et la température mini est à 0 degrés. En décharge, on peut décharger jusqu'à 65 degrés et décharger jusqu'à moins 20 degrés en température extérieure, donc ce qui est plutôt bien, hein, c'est confortable. On pourra stocker cette batterie dans un garage. Sans problème, ou même dans un cabanon extérieur, puisque, on l'a vu tout à l'heure, cette batterie dispose d'un système auto-chauffant. Et puis la dernière page, donc, qui concerne les paramètres settings, nous permettent d'activer ou désactiver certaines fonctionnalités, et notamment, par exemple, on a un petit switch qui nous permet d'activer le chauffage de cette batterie. Donc ça peut être intéressant si on veut l'activer manuellement. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on peut éventuellement mettre à jour le firmware de la carte BMS. On retrouve ici également nos switches pour la décharge et la charge. Donc, si notre carte s'est mise en protection et que notre décharge est désactivée, eh bien, il faudra passer par ce petit menu pour réactiver la décharge, si elle ne repasse pas automatiquement en décharge. Et puis, une nouveauté intéressante pour ce genre de batterie qui est censée remplacer nos batteries au plomb classiques, c'est que cette carte BMS dispose de ports RS-485, CAN-bus et UART qui nous permet de connecter cette batterie à un onduleur. Donc ça, c'est quand même une belle nouveauté si on souhaite utiliser ce genre de batterie dans un stockage photovoltaïque. Donc cette batterie est proposée par Tis Power aux alentours de 1 300 € avec les frais de port, les frais de douane, tout ce qu'il y a, hein, la TVA, etc. Lorsque vous recevez votre batterie, c'est vraiment le prix total avec toutes les taxes intégrées. Donc ça, au moins, vous n'avez aucune surprise lorsque vous recevez cette batterie. Tis Power possède du stock en Europe, mais alors si vous voulez la payer un peu moins cher, vous pouvez la commander directement en Chine, mais sachez que ça demande entre un mois et deux mois de délai. Mais ça peut être intéressant si vous n'êtes pas pressé, le prix est encore plus intéressant. Je vous laisse toutes les informations dans le descriptif de la vidéo et par la même occasion, je vous laisse un petit bon de réduction si vous souhaitez avoir une petite réduction sur cette batterie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.